Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec cette chaleur, cette forte chaleur, il fait extrêmement chaud. Donc voilà, on va se retrouver pour un coloriage mais mystère hein, qu'on va faire ensemble. Ça sera dans ce livre là, les grands classiques tome 3 Disney de chez Hachette et Rousse. Donc on va faire celui là, je ne vous montre pas la solution parce que j'aimerais que vous le découvriez en même temps que je colorie. Donc c'est parti. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais tout faire au crayon de couleur. Donc pour ce coloriage, je vais utiliser les Castel Art Supplice. Voilà, ces crayons-là. Je vais utiliser aussi un Stabilo Pen 88 noir parce que j'ai pas d'autre chose. D'ailleurs, ma mine est morte, heureusement. Ensuite, je vais utiliser des cotons-tiges de deux formats différents. Donc, je vous montre à petite pointe pour les petits détails. Et pour les grosses surfaces, j'ai pris un gros bourron, quoi. Plus de l'essence sans odeur. Oui, mon éponge est foutue. Mais bon, elle sert encore. Donc, voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi mon petit taille crayon et ma petite gomme au cas où que je fasse des bêtises. Alors, on est parti. Alors, je vais déjà commencer par entourer les traits noirs. Je fais toujours comme ça. Allez, on y va. Ensuite, je prends un feutre et je remplis l'intérieur. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je vais changer de crayon parce qu'il est mort, celui-là. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai plein de Stabilo. Je suis pas en manque. Hein. Heureusement. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous arrivez à supporter cette chaleur. C'est très compliqué. Enfin, pour ma part, j'ai beaucoup de mal. Je travaille dans un hôtel qui garde énormément la chaleur. Alors, c'est... comment dire, je suis déjà pas bien grosse, donc je vais tout perdre, ce qui me reste. Il fait extrêmement chaud, donc c'est un peu de mal à supporter. On passe notre temps qu'à boire des litres d'eau et des litres d'eau. C'est juste intenable. Donc j'aimerais bien un petit peu de fraîcheur. N'est-ce pas, Nénette? Oui. Donc j'ai mon assistante aujourd'hui. Elle a voulu venir avec moi. Bon, elle sait que ça va être très long. Surtout un mystère, moi je prends tout mon temps. D'habitude on fait un coloriage classique, mais là j'avais envie, pour faire durer le plaisir, de faire un coloriage mystère. Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble, c'est ton téléphone, Nénette. Ma fille est très demandée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire de beau pour que je puisse partager votre plaisir avec vous, parce que moi, je vais travailler. Donc, je suis bientôt en vacances, mais pas avant la fin juillet. Donc, du coup, je serai en vacances en même temps que mon petit homme. C'est pour ça que je n'ai pas pris avant. Et vous, quand est-ce que vous êtes en vacances? Que là, c'est vrai qu'on va les apprécier, nos vacances. Alors, vous voyez, j'entoure tout le noir. J'espère que vous me voyez bien, ça a l'air d'aller. Alors, je voulais m'excuser pour une vidéo et certains commentaires, je ne comprends pas, je ne peux pas vous répondre. Je vois le commentaire écrit et je ne peux pas vous répondre. J'ai cherché par tous les moyens, je ne sais pas. Alors, je voulais vous dire aux personnes intéressées qui m'ont écrit, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je n'arrive pas à vous écrire, quoi. Je sais pas, ça doit bugger quelque part, j'en sais rien. Mais impossible de vous répondre. Alors, pourquoi une personne plus qu'une autre, je ne sais pas. Ce qui me dérange fortement, parce qu'en général, je réponds à tous les commentaires. C'est déjà très gentil de vous arrêter sur ma chaîne. Donc j'estime que c'est un minimum de répondre. Mais là, je ne peux pas. Et je m'en excuse par avance. Donc je m'excuse aussi, c'est la lumière artificielle parce que je me cache du soleil.
tout chez moi est dans le noir. Je me suis mis carrément dans le noir pour éviter que la chaleur rentre avec les enfants. C'est pas facile. Donc là, je suis avec ma petite lumière. Et le ventilo. Et le ventilo, bien sûr. Parce qu'il fait extrêmement chaud chez moi. Je suis sûre que vous aussi, d'ailleurs. Donc ensuite, je vais prendre mes... comment ça s'appelle ? Mes Crayola, mes feutres. Je prends le gros crayon, le gros feutre. Et ensuite, je remplis. Quoi. Alors, la vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Excusez-moi, parce que moi, je prends mon temps. Ça sera blabla et coloriage. Si vous aimez blabla, ça va être une vidéo parfaite. Blabla, alors je tourne et je retourne. J'espère que vous allez réussir à découvrir ce que c'est. Bon, peut-être pas tout de suite parce que là je commence. Mais au fur et à mesure, on découvre. C'est ça qui est intéressant. J'espère que vous aimez les longues vidéos. En fait, quand il fait chaud, je suis Madame Ralenti. Je fonctionne au ralenti. C'est moi, Nénette. C'était de la peinture. Les enfants, ils ont même pas eu école avec cette canicule, ils ont pas eu d'école. Il y avait des enfants qui étaient allés le jour que je dis, ils sont allés à l'école, il y avait des qui y allaient, et après ils sont revenus et ils ont dit, bah, nous, à l'école, c'est à cause de la canicule. Ah ben, moi, je crois qu'il vaut mieux laisser les enfants au frais que de les emmener à l'école. Parce qu'avoir 42, franchement. Il y avait 42 tout à l'heure. C'est un peu trop, je trouve. Alors, on va basculer par là. Pardon. Tu sais déjà ce que c'est, toi, Nénette? Oui, tu m'as fait montrer. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que ça aurait dû être une surprise. Ça n'a pas une surprise pour moi, ça fait une surprise pour les abonnés. Voilà. Alors, je retourne encore, hein. Je bouge beaucoup et en même temps, j'ai très très chaud. Heureusement qu'il est fin, mon crayon. Des fois, je suis partie dans mon élan et j'y vais. J'y arrive pas. Voilà. On va redescendre par ici. Alors, pour bien faire, pour éviter que vous voyez trop vite, il aurait fallu que je commence par les couleurs. Ça aurait été mieux. Là. Où une nénette? Là. Là, regarde. Attends, on va rapprocher, sinon ils vont pas voir. Excusez-moi si la vidéo bouge. Là. Et là, voilà. Satisfaite, madame? Oui. Ah, moi je commence déjà à voir. Est-ce que vous voyez, vous aussi? On commence à voir. Toi. Ah.
Ça y est, j'aperçois. Mon œil de lynx le voit. Tu vois, toi, Némé? Oui. Si je dirai pas c'est qui, mais... Ah ben non, faut pas le dire. Il faut qu'il découvre. Déjà, Berk. Quoi? Rien. C'est du 1 ou c'est du 7, ça? Ça, c'est du 1 plus. Oui, c'est du 1. C'est du 1. Alors, il s'arrête là. On va vite le mettre en couleur. Ouais. T'en as encore? Hein? T'en as encore du 1. Oui, je sais, je l'ai vu. Alors, on va y prendre un petit rond. J'aurais même pas dû colorier en noir, mais c'est pas grave. Il n'y a que le noir qui sera en feutre parce qu'après j'y vais avec une couleur. En général, je l'ai fait en feutre parce que ma fille préfère au feutre. Elle trouve que c'est beaucoup plus joli au feutre malgré les coups de crayon. Alors, je n'ai fait pas mal au feutre. C'est vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça fait moche. Non. Donc, j'ai colorié au feutre pour ma nénette. Je suis sûr que vous aussi, vous préférez les crayons de couleur. Bon, il y en a qui aiment les feutres, hein, je dis pas. Mais moi, bon, c'est vrai, c'est joli au feutre, les couleurs sont beaucoup plus vives. Voilà. Je dis pas le contraire, mais s'il pouvait y avoir des feutres qui ne font pas de traces de crayon, limite essayer les feutres pinceaux, comme Johanna m'a dit, mais j'hésite encore. J'ai peur que ça fasse encore des marques. Les feutres pinceaux. Si je fais encore un achat et qu'arrivé là, ça s'avère négatif, je ne vais pas être contente. Alors, je papote, mais la vidéo tourne. Après, on parle de moi, tu parles beaucoup. Ah bah, c'est ta faute, hein, si je suis une pipelette. Non, c'est toi. Donc, j'avoue seulement qu'une pipelette. T'es plus une pipelette que moi. Oh. Dans 20 jours, je suis en vacances. 20 jours, c'est long, 20 jours quand on attend. Non, c'est pas si long. Ah non, c'est long, moi je trouve ça long. On est déjà en quoi? Bon, je suis pas en vacances longtemps, mais bon. J'aime pas rester inactive. J'aime les vacances, mais j'aime pas rester trop longtemps non plus en vacances. Ouais, mais tu seras en vacances? Oui, mais pas trop longtemps. Ouais, écoute-moi. Sinon, je vais m'ennuyer. Tu seras en vacances, on va aller tous en vacances, et... Quand tu seras en vacances, tu vas y profiter, faire du coloriage. Bah, c'est sûr, ma puce. Même si je colorie pas à la maison, je l'emmènerai avec moi. Mais tu crois pas de faire une vidéo? C'est pas grave, je vais les avertirai. Ouais. Mais étant donné que ma patronne, ma chère patronne, m'a donné mes vacances en retard, il n'est pas sûr que je puisse trouver un endroit où aller. Donc on va devoir improviser. Ça veut dire quoi? Allez, là où on peut aller. Je suis sûr qu'ils ont déjà trouvé. Avez-vous déjà trouvé ce que c'est? Maintenant. Là, tout de suite, maintenant. Mettez un commentaire. Laissez-nous un petit com pour savoir si vous avez déjà trouvé. Donc, on va mettre un petit peu de couleur là, ça serait chouette. On va faire le 9, c'est la couleur peau. Donc, moi, pour la couleur peau, j'utilise un Polychromos Faber-Castell. Et c'est le numéro 132. Donc Louane préfère que je fasse au feutre, mais moi je ne veux pas. Un jour tu vas dire ah bah oui, je préfère en feutre. Non. Un jour tu vas dire ah bah oui, je préfère en feutre. Voilà. Oui, mais c'est pas beau. Aïe aïe aïe, voyez, heureusement que je fais au feutre, hein, au crayon de couleur. Hein. Ouais, mais moi je préfère en feutre. Chacun de nos deux. L'arme fatale, la gomme. Tu verras. Même si par exemple là on voit les coups de crayon, on ne les verra pas parce que je vais utiliser de l'essence sans odeur. Oui, mais pour moi on voit quand même les crayons.
Ben voilà, vous vous rendez compte que je me fais engueuler par ma fille parce que je crée, je colorie avec une couleur un mystère. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah quoi, aïe, aïe, aïe. C'est vrai, c'est la vérité. Et vous, les mystères, est-ce que vous les coloriez au feutre ou au crayon de couleur? J'ai vu beaucoup de youtubeuses les faire au crayon de couleur. Et franchement, les mystères, oui. Parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont été déçus des feutres. Bon, je l'ai fait pour toi, les mystères au feutre, mais... Bon, c'est, je dis pas que c'est fois, moche. Mais des fois, je te dis rien et tu fais pas mal. Oui. Voilà, il faut avouer des fois. Oui. C'est la solution de facilité. C'est juste parce que j'ai pas envie de fouiller, fouiller. Et voilà, le feu ça gagne quand même. Le feu ça gagne. Non, il gagne pas. Si, il gagne. Avant, je faisais au foot, hein, au début, début. Hein. Au tout début, oui. En plus, j'ai du côté colorié sur le canapé. Oui, c'est vrai. Ça, mais c'était après, mes tout premiers coloriages. Et tu faisais des. Mandala. Oui, effectivement, ma fille a raison. Mes tout premiers coloriages ont été des mandalas magazine. Mon premier coloriage, je l'ai acheté à Auchan. Je me rappelle. Bon, bah, depuis temps, je ne l'ai plus, hein, parce que je vais peut-être faire un petit tour à la poubelle. Je crois que tu m'avais donné, il l'avait jeté. Ou tu l'avais jeté, je crois. Tu m'avais donné, c'était encore à la balle. Mais je n'avais pas goûté au crème couleur à cette époque-là. Après, tu nous as dit, ah ben ouais, je préfère la crème couleur. Et le crème, c'est ça. Voilà. Mais avant, tu faisais bien au feutre. Oui, mais ça, c'était avant. Avant et après. Et malheureusement, tu continues pas. Ah, mais là, tu vois, il y a des traces, là. Oui, il y a des traces. Parce et que... j'aime pas. Mais après, je vais les enlever. Ah là là, ma puce. Et j'aime pas le dessin. Si j'aime le dessin, les crayons. En fait, il faut que j'appuie un peu plus pour avoir un peu plus de pigmentation parce que je trouve personnellement que l'essence sans odeur enlève un peu de couleur, je trouve. Pour ça, il faut en faire au feutre. Alors là, c'était le zéro. Alors moi, ce qui est bien, c'est que j'ai tout marqué sur mon petit cahier pour ne pas perdre les numéros, sinon c'est une catastrophe. Étant donné que j'en fais un avec vous et j'en fais un toute seule, donc je veux pas me mélanger. Alors on va faire le 0 qui est pareil, un polychromos, le 187. Ok. Voilà. Comme tu as fait un coloriage avec en plus avec la couleur. 10h50. Voilà, on va tourner le livre. Déjà une partie avec vous et cette vidéo sera, je pense, en deux parties, en deux ou trois parties parce que il commence déjà à être 6h. Après la part, je prépare la tambouille. D'ailleurs, on va manger quoi? Je ne sais pas. Comme tous les soirs. Voilà. Alors, on va passer à l'essence sans odeur. Alors, pour les petits détails, je vais prendre la pointe pour
pointue, pointue, petite. C'est bien pratique. On peut faire avec tous les détails comme ça. Ensuite, pour les grosses zones, je vais prendre un énorme coton-tige à bourron. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir estomper le plus clair. Ne jamais mélanger la couleur la plus foncée avec la couleur la plus claire. Sinon, ça va être une catastrophe. Logiquement, on fait un speed coloring, hein, un mystère. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire un mystère quand on fait pareil avec les classiques. Seulement, on fera plusieurs vidéos. Est-ce que tu feras un accéléré? Non. Tu veux dire un accéléré? Non. Pas cette fois-ci. Bon, je n'en ai pas beaucoup fait. Mais... Alors, voilà. Déjà, pour cette partie-là, qui est un verre. Je vais regarder sur mon petit livre. Qu'est-ce que le numéro 54. Ouais, c'est ça. Hein? Même si je vois, c'est pas grave. Tu bouges beaucoup. Oui, tout le temps. C'est vrai, hein? C'est pour ça que je fais une vidéo en plusieurs parties, parce que sinon je ne pourrais pas tenir. Il y a ta main. Oui. T'as raison, c'est normal, j'oublie un truc. Je voulais rien dire. Je vais le rectifier, c'est pas grave. C'est une petite erreur à moi. Je sais plus, c'est pas grave si on va les coudre. Pour une fois, c'est pas grave. Ma fille va devenir comme moi. Je ne peux pas supporter les coups de trait. C'est rigolo. Là, pour une fois, je peux colorier dans tous les sens, sans souci. Alors, je vais aller jusque là. Ah, c'est déjà pas mal. Et jusque là. Je retourne à l'île, je suis désolé, ça tourne beaucoup. Ah oui. Mmh. Je taille. Oui, c'est bien choisi. Chaud en plus. Je
pense qu'on n'est pas les seuls à avoir chaud. Non. Déjà, dans les caméras, on voit que c'est déjà... Que c'est moche. Non, ah. C'est pas moche. Que c'est... On voit déjà ce que c'est. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est déjà? Dites-le-moi. En commentaire. Très important. Très important, Dinénette. Ça fait bien, commissaire. Je rebouge encore, je suis désolée. Bien sûr. Tu fais dans tous les coups de trait? Oui. Pourquoi tu fais ça? Ah, t'aimes pas, hein? Je t'ai habitué à parler dans tous les sens, c'est normal. Hein? Ah ah! Ah, j'aime pas ça. Ah, bah ma nénette devient comme moi. Hein? Ah, mais moi je fais même pas ça. C'est pas grave, on s'en fout là. Mais si, on s'en fout pas. C'est de la détente. Je cherche pas à comprendre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que maman fait? Il descend. Mais non, t'inquiète. Oh, on a tellement les poutres. Oui, mais après on les verra plus. C'est trop chaud. Et bon, tu veux être... Si, mais j'ai chaud quand même. Ça m'aide, mais j'ai chaud. Voilà, on va se tomber parce que c'est horrible. Oui, ça fait combien de temps? Excusez-moi, je bouge la caméra. 27 minutes. On va prendre un coton-tige propre. Et là, je prends avec le gros coton-tige. Ah, c'est beau. Et je vais venir estomper tout ça qui est très moche. Tout en faisant attention. C'est mieux comme ça. Alors, je croyais que c'était pas beau qu'un couleur. Non, mais avec estompé. Tu vois, ça fait pareil qu'un crayon feutre. Oui, mais je suis toujours pour les feutres. Ne serais-tu pas têtu? Si, je suis têtu comme Borico. Enfin, dans tous les sens. Tu me gênes un peu plus. J'ai une seule fille et deux garçons. Mais alors, une seule fille remplace trois filles. Faites-moi confiance, tellement que c'est une pipelette. Oh là là. Oh là là, oui. Est-ce que vous aussi, vous avez des filles? Eh bien, dites-moi si elle est aussi pipelette que la mienne. Parce que faites-moi confiance, quand je vais faire dodo, les oreilles sifflent. C'est vrai, hein? Alors, je vais tourner encore, parce que j'aime bien être bien droite quand je fais quelque chose. Et tu tournes encore? Eh oui, c'est quand même plus joli comme ça, non? Tu trouves pas? Oui, mais je préfère la feutre. Oh là là. Un jour, quand j'aimerai les autres, un jour, quand j'aimerai les crayons couleurs, ce sera le moment que tu feras plus de vidéos. Voilà, c'est pas près d'arriver. Voilà, regarde, c'est pas magnifique. Ouais. Alors, on va encore continuer un tout petit peu ensemble, hein, histoire de dire que on va faire le neuf là, qui était de cette couleur là. Mais fais pas dans tous les sens. En général, quand tu fais la pluie, tu fais pas dans tous les sens. Mais là, je m'en fous. C'est pour se détendre, pas pour se prendre la tête. Yes. Après, ça s'estompe, mais... Et même en faisant dans tous les sens, j'arrive encore à enlever les coups de trait.
8h, c'est ça? Non. Ok, c'est 8h1. Non, il doit être 6h, le mec. C'est un 18 avec un 0,1. Tu vas pas y arriver à prendre l'heure. Hein? Non. Ah là là. Mais oui, il faut de la patience. Je tourne encore. Oh mon Dieu. À votre avis, c'est quoi? Ah, je sais. J'aurais déjà vu. Hein? Si tu m'as abattu, je serai déjà. Je suis sûr qu'ils savent déjà c'est quoi. Peut-être, ouais. N'est-ce pas, vous savez c'est quoi déjà? Je suis sûr que vous savez déjà. Tu l'as, tu joues dans quel livre? Je te montrerai tout à l'heure. On va faire les abonnés, je vais bien faire. C'est pas le 9, ouais. Moi, je voudrais avoir quand c'est le c'est quoi comme le livre. Après, on va estomper tout ça. Ouais, heureusement. C'est 0 ça? Allez. Qui? Si. Non, c'est du 6. Non, c'est du 0. Arrête. Voilà. Il est passé pointu parce qu'il y a du 0 là. Voilà. Ouais, de toute façon, on va s'arrêter là. On va estomper cette partie là avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De partager un petit coloriage, un mystère comme ça et du blabla. Beaucoup de blabla. Ça vous aura plu. Bah, tu dis ça, mais tu veux pas t'arrêter. Tu sais comment je suis. Oui. Ah, en plus, t'as fait un truc qui va aller voir. Et le 7, c'est quoi? 89. Alors, il faut déjà trouver le 89. C'est la couleur. Je ne sais pas, je regarde. C'est 89. Ah, bah oui, il faut juste que je le retrouve. Alors. Alors, 89, j'ai dit quoi déjà? Oui.
de 7. Alors, on va estomper avec vous et on s'arrêtera là pour la vidéo, sinon ça va être très long. Alors, je vais prendre une pointe fine. Voilà. Ensuite, je vais prendre un bourron. Et voilà, ensuite on va faire l'intérieur de la peau. J'en ai mis beaucoup là. C'est pas grave, ça va sécher. C'est trop beau. Tu vois, c'est joli, Ninette. Voilà. Et voilà. Donc, je vous laisse sur ce coloriage. On reprendra une seconde vidéo pour finir ce coloriage-là avec vous. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu en coloriage mystère. C'est sympa, je trouve. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo et de me laisser un petit pouce si ça vous plaît ou de vous abonner. Bisous, bye bye.